Bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire étonnante de la parade nuptiale du homard et pourquoi sa reproduction est menacée par le réchauffement climatique. Alors, il existe 75 espèces de homards dans le monde. Je vais vous parler du plus connu, qui est le homard américain. Il a deux lourdes pinces à l'avant et une queue en éventail, un corps mou et une carapace dure. Mais vous conviendrez que pour s'accoupler, quand les deux partenaires ont une carapace dure, ça ne laisse pas beaucoup de souplesse. C'est donc au moment de la mue que l'accouplement est possible. Ils se livrent alors à plusieurs jours de préliminaires en se frottant l'un contre l'autre, leurs antennes se touchent. Ajoutons que leurs pattes sont recouvertes de récepteurs de goût. Alors, quand la femelle entre dans la tanière du mâle, le mâle est hyper excité. Pendant que la femelle se libère de sa carapace, elle émet des phéromones qui inhibent l'agressivité du mâle tout en les moustillant. Tellement excité, le homard mâle va aider la femelle à lui ôter ce qui lui reste de carapace. Lui n'a pas mué, hein, trop pressé, et pour cause. Ils n'ont qu'environ 30 minutes avant que la nouvelle carapace de la femelle ne durcisse. Il danse, il frétille, il sautille, il en pince pour la femelle. Les partenaires se touchent, leurs antennes, elle est toute molle, il est tout dur, ils se font face. Le mâle tenant la femelle entre ses pinces. Le mâle la pénètre pour y déposer ses spermatozoïdes. La femelle va les fertiliser. L'acte sexuel étant terminé, ils vont partager le même terrier pendant quelques jours. Elle portera des millions d'œufs pendant environ un an, alors entre 9 à 11 mois, sous sa queue jusqu'à ce que les larves éclosent. Mais je vous vois bien avec votre question, quelle est l'espérance de vie du homard? Alors, l'espérance de vie du homard est entre 50 et 100 ans. Mais il est beaucoup pêché, trop pêché même, il a aujourd'hui bien peu de chances d'y parvenir, parce que ce processus de reproduction est menacé par le réchauffement climatique. Je vous explique. Quand les eaux sont froides, les crustacés se focalisent sur la production de spermatozoïdes et d'œufs. Quand les eaux sont chaudes, les homards se concentrent sur leur croissance. Et en raison du réchauffement climatique, les périodes froides sont de plus en plus courtes. S'il fait chaud en continu, pas de spermatozoïdes, pas d'œufs, donc plus de homards. Moralité, plus c'est chaud, moins c'est hot. Prenez soin des homards, le monde d'après, c'est nous qui le construisons par nos manières d'agir.